l'homme noir est le premier sur la terre. Et que le premier homme qui s'appelle pas Adam, qui s'appelle Moto, c'est le premier homme. Et ainsi que sa femme qui s'appelle pas Ève, mais qui s'appelle Moto, c'est la première femme. Ils ont seulement blanchi. Ils les ont blanchis. Pour que l'homme noir ne sache pas qui il est. Ils ont aussi blanchi tous nos patriarches. Vous dites que les Abraham, les Isaac, les Moïse, ce sont les prophètes, puissants prophètes. Mais ils sont des noirs. Ils sont des noirs. On les a blanchis. L'Oba, le Créateur, n'a jamais envoyé une autre race que la race noire pour venir sauver l'humanité. On le sait maintenant. Ils étaient tous des noirs. Ils étaient tous des noirs. Ils ont falsifié l'histoire du peuple originel. Ils ont falsifié l'histoire du peuple originel. Ils ont falsifié l'histoire du peuple originel. Peuple originel. Peuple noir. On vous a déjà dit que Jésus n'existe pas. Et que toutes les religions qui sont dans ce visible sont fausses. Vous entendez, mais vous faites la sourde oreille. L'heure est grave. Le peuple originel doit se réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas, si nous ne nous réveillons pas, nous allons périr dans les trois plans. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Le peuple originel a été trompé. L'heure est grave. Le peuple originel a été trompé depuis des siècles. Mais aujourd'hui, la grâce est là. Zululassan nous a appris qui nous sommes, que nous sommes le peuple originel. Et nous savons que c'est la réalité. Parce que le premier homme, c'est un noir. Et la première femme, c'est une noire. Nous savons comment il s'appelle aujourd'hui. Vous êtes là, dans les réseaux sociaux, en train de crier « Jésus va nous sauver, Jésus vient nous sauver », ainsi de suite. Alors que vous savez que Jésus ne viendra jamais vous sauver. Jésus, il n'existe pas. On vous a dit, le seul enseignant mandaté, Zululassan, vous a dit que Jésus, c'est une invention du Vatican. C'est une invention du Vatican, du Concile de Nicée. Réveillons-nous, c'est vraiment capital, hein? Réveillons-nous. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Réveillons-nous, peuple originel. Sortons de l'aliénation mentale, spirituelle et physique. Le peuple noir n'avait pas de religion à la base. Le peuple noir est spirituel et initié selon la vérité de nos patriarches et matriarches, les initiés qui ont traversé le visible, ils ont blanchi l'histoire du peuple originel. Ils ont aussi blanchi les lieux de naissance de nos patriarches et matriarches. Vous dites que non, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, c'est pas grave. Mais imaginez-vous, si vous, quelqu'un vous dit que vous êtes noir, et qu'une autre personne vient et dit non, vous êtes blanc, alors que vous savez que vous êtes noir, vous allez dire non, même si vous me dites que je suis blanc ou que je suis noir, c'est pas grave. C'est où se trouve la logique? La logique, elle est où? Réfléchissons un peu. Réveillons-nous, peuple noir. Réveillons-nous. Nous avons trop dormi maintenant. L'heure du réveil a sonné. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas d'où tu viens, eh bien, tu peux pas parler devant celui qui sait qui il est. Parce qu'il va te dire tout ce qu'il est et toi, tu ne peux rien dire. Tu n'as pas connu tes parents, tu n'as pas connu tes grands-parents. Si lui, il est en train de parler de ses grands-parents, tu ne peux pas répondre. Et il est en train de parler de ses parents, tu ne peux pas dire aussi ce que sont tes parents. C'est ce que le noir est devenu. Le noir, c'est pas qui est son ancêtre qui a traversé le visible. Des ancêtres initiés, des patriarches puissants, des guerriers qui ont combattu le monde occulte pour que nous soyons là aujourd'hui conscients de notre identité par Zululassan. Réveillons-nous, hein. Voilà. Le livre de la vérité, Kalatambale.
C'est sur la page YouTube, la véritable histoire de l'homme noir, Zululassan. Vous pouvez vous procurer aussi Bibette dans les éditions Zululassan.com. C'est l'instrument de notre délivrance. C'est l'instrument de notre délivrance. Il y a tout dedans. Comment se fait-il qu'il y a d'autres peuples dans le visible? Comment se fait-il que l'homme noir est devenu ce qu'il est devenu jusqu'à présent? Pourquoi ils les ont blanchis? Pourquoi il y a toutes les religions sur la terre, dans ce visible? Tout est dedans. Le premier homme qui est venu dans le visible, à quel moment il est venu dans le visible? Qu'est-ce qu'il a fait dans le visible? Tout ce qu'il a fait, son histoire, tout se trouve dans ce livre, le livre de la vérité, Kalatambale. Et c'est Zululassan, le seul enseignant mandaté dans ce visible, qui nous a apporté la vérité. Nous vous disons encore que toutes les religions sont fausses. Réveillons mon peuple originel et tous ceux qui cherchent la vérité des autres peuples. Réveillez-vous aussi. Car c'est ainsi et ce n'est pas autrement. L'Oba, le Créateur unique, vrai et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.